Dépensez pas trop de sous. Allez, le temps qu'on fasse la... dès qu'on a fini avec laquelle, je lance le truc. Sauf que j'arrive pas à viser le... Voilà. Alors, le terminus activé, blablabla. La tour abrite un puissant émetteur conçu pour faciliter les communications, se connecter à Artemis. Ok, connexion à Artemis. Dès qu'on a fini ça... Alors... On voit la quête ensemble. Je voudrais. Là, la Artemis. Salut Artemis. Alors, réconforter, utiliser l'arc d'esprit. Vous avez fait ça, je suppose. Non, je suis encore sur le choix. On attend. Alors, utiliser l'arc d'esprit. On utilise, ok. J'active l'arc d'esprit. Je ne sais pas quoi m'attendre. Une furieuse explosion de lumière. Une catharsis d'où Artemis surgit en chair et en os, ramenée à la vie sous mes yeux. Mais ce n'est pas le cas. Je vois son hologramme, puis l'instant d'après, il n'a plus rien. L'étranger qui m'a remis les plans m'appelle. Son signal est encore actif. On s'est fait... Juste à côté. Ouais. Alors, les voyageurs sont un rêve, une idée qui voulait que nous occupions une place spéciale dans l'univers. Artemis y croyait, tu y croyais, Apollon aussi, même s'il s'en cachait, même moi j'y croyais il y a longtemps. Nous sommes innombrables, mon ami, à parcourir ces mondes, à la recherche de l'amitié. Personne ne veut être seul, pas vraiment. Mais plus nous nous rapprochons des autres, plus nous risquons de nous blesser et de les blesser. Plus grand secret de l'univers ne concerne pas le ver, ni les aérons, ni les progéniteurs. Il s'agit du dernier acte, la décision d'abandonner ceux qui ont besoin de toi. C'est le péché originel, la fondation même de l'existence. Rejoins les étoiles, voyageurs. Tes amis t'attendent. Ils t'aideront à apporter la paix à ce pauvre Artemis. Reviens quand tu auras terminé. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, et... Oh ! En fait, je crois que on vient de copier sa mémoire. D'accord. Amener auprès de Nada. Merci pour l'abonnement. Eh B. T'as une personne qui pose c'est une question. Monsieur, c'est quoi, monsieur? Ah, c'est monsieur Miniped. Ok, c'est j'ai pas compris. Ah, Miniped, qu'elle aussi, mais lol, c'est quoi ce rush? T'as Plug qui pose une question sur le giveaway. Alors, le giveaway, en fait, là, je vais le lancer. Merci pour les 12 bits. Arrêtez les gens. Le giveaway, ça dépend. Il y a la liste qui est sur le Discord. Soit je l'envoie dans le Discord, soit ça prendra un peu de temps et j'irai le chercher sur là pendant le live sur où il est le jeu. Et je le donnerai en message privé s'il faut. Voilà. On peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Oui. C'est Descends bon, tout le monde a voté, tout le monde a parlé au moins une fois pour participer au giveaway. Il y a même Nightbot qui est dedans, je vais peut-être l'enlever. Nightbot qui va gagner, tu sais, mort de rire. Je t'ai déjà montré les miens? Non. Ville des cybermonarques. Yes, allez. It's me. Attention, c'est prêt, je vais lancer le giveaway. 3, 2, 1, c'est parti. Et le gagnant, c'est... Ah, par contre, c'est pas drôle, on peut en avoir qu'un seul à la fois. Yo, ok, gamin. En présent, ouais. T'as vu, moi, mon petit? Voilà. Non, je ne le vois pas. Il est juste à ta droite. Alors, pour le... Si t'es sur mon Discord, pour y aller... Non. Pour y aller, pour les trucs, c'est dans la partie Twitch et ils sont épinglés. C'est quoi ce truc énorme? Et le deuxième? Sur Twitch, dans les épinglés, il y a la liste et de toute façon, c'est Yokigama qui a gagné. Mon deuxième. On dirait un chien. C'est Kawet. Attendez, deux secondes. Hop, voilà. J'ai déplacé dans le cadre d'eau. C'est du monde. Et je me suis amusé sur lui, j'ai mis deux blasters sur les slots. GG cacahuète. T'hésites pas sur le Discord, Yokigama, ou même là si tu le dis, enfin juste que je lance trois trucs, mais il n'y aura pas de problème. C'est jamais 203, il a gagné un abonnement gratuit, il vient de gagner un jeu. Quoi en même temps, c'est la Yokigama, Yokigama, il vient d'avoir les deux. Elle, non? Elle, pardon. Oui, c'est elle. Je ne connais pas, excuse-moi. C'est Kawette. C'est Kawette. Mais comme tout à l'heure, je confondais le masculin et le féminin. Non, parce que moi, elle était déjà venue sur les lives et tout. Donc et si vous utilisez vos picabous, on peut peut-être atteindre un deuxième giveaway. Carrément, même. Moi, je peux pas donner plus. Je donne au fur et à mesure que je les gagne.
Bah après j'ai fait pas que ce soit parce que la dernière fois vous me l'avez torché en 10 jours. Vous avez tout dépensé aussi. Donc, ah bah ouais, voilà. J'ai mis un peu plus costaud. Et à chaque fois que j'augmenterai un tout petit peu. Bah, de toute façon, plus il y aura de gens, plus je risque d'augmenter un petit peu le truc. Pas de beaucoup, mais... Mais là, j'ai envie de dire, les 100 000 pour le nombre qu'on est, je pense que c'est pas mal. C'est correct, ouais. C'est ça. C'est déjà pas mal, je pense que... De toute façon, j'en relancerai un derrière. Hein. Je le ferai sûrement demain. Oh, mon Dieu. Ils se sont affamés. Qu'est-ce qu'il a? Oh, allez, on parce qu'il a la dalle, c'est tout. Je peux pas lui donner une friandise. Il a dépensé 100 bits. Mais je vais sûrement en refaire un autre de giveaway. Patientez un tout petit peu. Je vais attendre que Yoke Gamma elle. Ouah, elle il est tout dessus. Content. Regarde comment il a le bout de queue qui frétille là. Vu que c'est la première fois que j'ai autant de personnes sur le live en même temps, je vais peut-être même en faire un deuxième. Allez, on va essayer de faire gagner quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le truc sur lequel tu montes dessus. C'est bon, je peux tirer ouais, dessus, mais c'est mais ça Je crois qu'ils sont pas. Non, je peux pas. Ça me met une croix dessus, comme quoi je peux pas tirer dessus. Regarde. Et moi, le petit nouveau que j'ai chopé là, juste en bas. Le gros, là? Non, le tout petit. Ça, le gros, c'est Erin qui oui, a. Oui, mais le petit, tu m'avais montré ça... quand tu montes dessus, t'es sur sa tête. oui, non, mais ça, c'est un autre. Ça, c'est le second. Oh, il est curieux. Attends, il est où mon gros? Non, mon gros, il est plus là. Attends, je vais l'appeler aussi. L'autre, c'est celui-là. Le petit machin. Ah oui, c'est celui qui a les lance-roquettes sur les côtés. C'est ça. Alors lui, il a pas de lance-roquettes. Par contre, lui, il a deux blasters. Lui, il a deux lasers. Se sent connecté, d'accord. Il y a Plug qui dit qu'il a dépensé ses 100 bits. D'accord, le bip le shit, ok. Oh. Je sais pas si il va pas s'en faire pour si peu. Hein. N'hésite What pas, Yokohama. Mon dino vient de me balancer. Le jeu qui t'intéresse. Alors la liste, c'est dans Twitch et c'est dans la section Twitch sur mon Discord et en comme ça. Par s'appelle, contre, en... c'est moi ou les grands épinglés comme ça, ils ont des textures dégueulasses. De quoi? Qui? Quoi? Comment? Où? Ah, je peux pas déclencher la ponte. Ne se trouve pas dans son climat natal. Bah le son espèce de gros machin. Oui, je le vois. La tête, on dirait Jar Jar Binks, quoi. C'est ça, mais par contre, le corps, on dirait, il a une texture dégueulasse. Ouais, et puis même quand il se déplace, l'anime est pas ouf. On a l'impression qu'il glisse, en fait. Il m'a foutu un coup, il m'a envoyé balader. Sérieux, il m'a fait décoller, j'ai pris des dégâts. Faudrait un moment que j'essaie d'en capturer quelques-unes. Pour l'instant, c'est tu fais une croquette. Regarde, je suis bien là ce coup-ci. Regarde, je suis bien sur sa tête. Tu fais une croquette, tu la donnes à une bestiole. Il y a un marchand qui est venu nous voir là au passage. Lol. Ah, il y a un marchand qui s'est posé. Oui, il y a un vaisseau qui vient de décoller. Lol. Elle va essayer de m'écraser. Elle veut nous écraser. Mais tu sais que. Et tu suggères une direction, hein, si t'as le dino, oui, il peut pas sais, y aller, je il sais, pas. Je sais, je sais, je sais. C'est chiant, ça, par contre. Irena, il m'a expliqué le truc. Et sur ta petite crevette, là, tu peux monter? Ah ouais. Ouais. Bon, allez. Yuki Gamma a gagné, j'ai encore enlevé Nightbot. Ah, par contre, je te vois laguer. Ah zut, reparlez les gens dans le chat. Sauf Yuki Gamma, bien sûr, parce que tu as gagné. Il pourrait gagner un deuxième. On va laisser une chance pour les autres. Reparlez dans le chat et je relance un deuxième giveaway. Allez. Alors lui c'est mieux parce que tu es au milieu de ses épaules. On a mis le bordel. Et t'es content. Mais écoute, non mais sympa, merci beaucoup, hein. Merci, ça fait plaisir. Oui. C'est une brave bête qui adore se faire gratouiller. C'est qui fait bouger, qui fait tout trembler là? C'est mon gros bébé. C'est la bestiole de... Ouais, parce que je suis dans le vaisseau, ça tremble. Non, bah là, non, je le caresse, ça, ils se sont heureux. Ouais, ils crient, là, maintenant. Vous voulez pas, les gens? Vous pouvez juste parler dans le chat, hein. Vous faites un coucou. Ils se sentent aimés, maintenant. Vous pouvez rejoindre le Discord aussi. Puis comme ça, je relance un deuxième niveau. Là. Ça y est, ils sont à fond, les deux, là. C'est tellement débile, ce machin. Qu'est-ce qui
Par contre, je continue à dire, hein, il a des textures mais dégueulasses. Ouais, j'aimais bien sa tête, je la trouvais trop fun. Alors, par contre, j'avoue, sa tête est délirante. Bah, les textures, non, elles vont là. Moi, je t'avoue que la texture, c'est, on dirait un gros aplat de couleur mal fait. Non, là, ça fait comme s'il avait des tatouages marron sur une peau. Ouais, verte. Il a des rainures. Alors, ouais. Je pense que c'est peut-être parce que je n'ai pas chargé ses textures. C'est ça, comme moi, ça m'arrive des fois. Donc, non, parce que ça va, pour... il n'est pas encore trop dégueulasse. Vous êtes que trois à avoir parlé, mais... là, il y en avait plus des gens. Allez, Tancred, vas-y, parle. C'est ça, c'est, j'ai pas, c'est juste que j'ai pas chargé les textures. Je ne sais pas pourquoi, mais les textures de ta bestiole ne sont pas chargées. Et Rena, il t'est pas autorisé à participer, sinon il va gagner. C'est ça, la dernière fois j'ai participé juste histoire de dire et j'ai gagné. Et j'ai fait non, vas-y, relance, hein. J'ai pas envie de gagner. Tu seras autorisé que sur celui à 100 000. Et encore, j'ai pas dépensé beaucoup. Hein. Ouais, non, mais c'est pas gênant ça. C'est pas le but. Le but, c'est pas de. C'est, voilà, c'est dès que le truc se fait à 100 000, j'active et je lance le giveaway. Fais gaffe, un rayé, que j'ai fait un trou. Hein. De quoi? Te connaissant, tu vas tomber dedans. Oui, non, mais je sais, mais je cherchais, j'étais mis les où? Les trous. Oh, il a fait un gros caca! Zblart! Allez, attention, restez pas caca. En dessous! Et là, tu as un geek qui passe en dessous et ça fait ouais, je pense que la crotte était plus grosse que tout. Ouais, mais je pense que ça va être tant pis pour les autres. Hein. Il y en a que trois qui vont participer. Ben, c'est un de vous trois qui va y avoir droit. Allez, c'est parti. Attendez, faut que je reroll. Allez, 3, 2, 1. Roulement de tambour. C'est. Ben, Plug Play 21. Plug Play, bah, bravo. Voilà, Plug and Play. Ben voilà, nickel. Mais écoute, tu regardes, tu me le dis sur le Discord, que ça soit Yoke Gamin et toi, vu que vous êtes sur le Discord maintenant, vous m'envoyez un message privé sur le Discord avec le jeu qui vous intéresse. Au cas où, proposez-moi deux jeux, parce que si jamais vous avez pris le même, au cas où, ça serait pas de bol. Donc, vous m'en proposez deux sur la liste et je vous donnerai le premier si possible. Ah mais, te mets pas devant mon rayon. Je suis en train de récolter. Hop. Ah, mais t'as fait un trou de l'autre côté. Bon, de quoi, j'ai fait un trou de l'autre côté. Et si on continuait la quête? Je sais pas, je récolte du hydrogène en attendant. Donc, faut aller partir dans l'espace et appeler l'anomalie. Bon, bah, voilà. C'est pas dur, hein. Sauter dans le vaisselle. J'ai appelé l'anomalie. J'ai faim. Toutes ces émotions, ça m'a creusé, ça y est. Pas de soucis, pas de soucis. C'est des clés, j'en ai plein des clés, donc c'est pas un problème. Il y a l'anomalie. Il est là. Et Plug and Play, c'est fait ban aussi. Oui, mais c'est bah ouais. Oui, mais c'est les caps, oui, ça arrive. Bon, merci à Shin, c'est grâce à lui qu'on a débarqué. Je cherchais où claquer mes bites. Eh ben écoute, merci Shinra. Puis merci à vous tous, hein. Ça fait plaisir. Bah, en même temps, c'est tout. C'est tout ton groupe avec c'est tout le groupe d'enfoirés avec lequel je suis. Les tyrolistes, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, j'organise un jeu de rôle, enfin, un de mes collègues à moi organise un jeu de rôle sur Alien, le JDR. S'il y en a qui sont intéressés. Bon, samedi prochain, pas celui-là, celui d'après. Il y a des places encore. Donc, si vous voulez mourir, n'hésitez pas. Si vous voulez mourir par un xénomorphe et pas un nécromorphe, hein, voilà. Ne pas confondre. Si vous voulez vous faire faceguer, n'hésitez pas. Moi, je suis dans l'anomalie. Bah oui, moi aussi, je suis en train d'aller voir pour la quête. Allez, Nada. Parle-moi, Nada. Entité amie, Polo a observé l'approche de ton signal, mais il était anormal. Sa signature indiquait une date erronée. Tu vas bien? Tu n'es pas incomplet? Tu ne t'évapores pas? Non. Eh bien, la visière de Nada brille intensément d'inquiétude et de désarroi. Montrez de l'arc d'esprit. Je parle à Nada d'Artemis et de l'arc d'esprit. Ses lumières brillent intensément. Oh, yes. Venez hurler dans l'espace, on ne vous entendra pas. Ben voilà, il est là, le monsieur Aléas. Avec Bringer, c'est lui qui vous fera jouer.
N'hésitez pas à lui poser des questions sur le Discord, hein. il n'y aura pas de soucis. Hey Rayek, le temps que t'es là, je vais te donner les résonateurs magnétiques. Ah oui, attends, tu peux me les transférer, je pense que ça. Oui, oui, c'est ce que je vais faire. Ouais. C'est un écho, je n'aurais jamais cru voir une âme voyageuse, tu es si belle. Oh là, il s'est passé quoi? Ils sont plus. J'ai glissé, je sais pas où ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans mon vaisseau. Okay. Ça va, c'est pas grave, on fera ça après. Sur Tabletop Simulator, oui. Non, non, c'est bon. Je suis arrivé dans ton inventaire. Mais Antitami, Echo Artemis souffre et il est déconnecté. Cet arc ne l'aidera pas. Alors, Echo Artemis n'aura plus jamais de corps. Il n'explorera plus jamais. Son ancienne vie n'est plus, mais nous pouvons l'aider. Nada est une machine. Bon, pas une machine, c'est quelque chose de vivant, un refuge. Nous devons prendre une décision. Tu peux envoyer Echo Artemis dans la machine, une sorte de sous-simulation dans laquelle il pourra vivre, ou bien tu peux mettre fin aux souffrances de Echo Artemis. Je vais lui demander s'il existe une autre solution. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. La tête bizarrement essayant d'imiter son comportement. J'apprécie le geste bien que déconcertant. Vous devez choisir le télécharger dans machine, dans sous-simulation en laquelle il pourra continuer à vivre ou aider Artemis Echo à mettre un terme à sa souffrance. J'hésite, hein. C'est les choix que t'as jamais envie de faire, hein. C'était ça. C'est vraiment. Qui fait sa pub. En savoir plus sur la simu, déjà, pour savoir. Ouais. Je lui demande en quoi la vie ressemblerait à l'intérieur de cette simulation. Nathan s'interrompt un instant et me regarde étrangement. Il m'explique qu'Artemis pourrait encore ressentir de la joie dans les choses qu'il vit, qu'il fait, mais qu'il devrait apprendre le sort qui a été le sien, qu'il est seul, qu'il n'est plus réel, désormais incapable de rencontrer de nouveaux amis. Savoir cela pourrait lui faire beaucoup de mal. Tu mettrais fin à ses souffrances. Moi j'irais, ouais, mettre fin à ses souffrances. On fait ça? Donc, dire que vous avez fait votre choix. Va parler à Apollo Voyageur, il t'aidera à calibrer les machines, quelle que soit ta décision. Quoi que tu fasses, je suis fier de ta compassion, tu es un voyageur. Non, parce que sinon il va se retrouver seul et souffrir, c'est pas grave. Ah ouais, non, c'était horrible. Ouais. C'est des choix toujours difficiles, hein. C'est pas un choix de. Voilà. Il s'agit d'un refuge privé d'Aminada. Je vais préparer la machine, il s'agit du refuge privé d'Aminada, prends-en bien soin. D'accord, c'est pas tout à fait au même endroit. Terminal privé. C'est une autre pièce. Ouais, à mon avis, enfin, c'est la première. Oh la vache! Il y en a un qui dit oh la vache, l'autre qui dit me. Il a dit oh la vache, donc je dis me. J'arrive pas à cibler. Parce que quelqu'un doit parler dessus, on doit pas pouvoir. Moi je peux cibler. Pas moi. Mais je l'ai pas activé. Alors, moi je l'ai activé. Mais pareil, j'ai eu du mal à le cibler. C'est bon, j'arrive donc, à la voir. Je l'ai eu, moi je suis de l'autre côté, moi en fait. Donc, la machine permettre est ancienne. À Artemis de clamser. Besoin d'amour, je ressens un murmure, le fredonnement de Nadin dans le haut-parleur. Lorsqu'il communie avec la machine, les mots se révèlent à l'écran. Autorisation de Nada détectée, simulation secondaire, écriture. Cette relique est une simulation d'un système solaire, une prière offerte jadis à Atlas par un Corvax, désormais au cœur de l'anomalie. Un faux système solaire unique, si cher à Nada. Si je le souhaite, il sera le nouveau foyer d'Artemis, et donc permettre à Artemis de mourir. C'est triste, mais. Alors que je réfléchis à ma décision, le murmure de Nada s'intensifie légèrement. Je parle et sa voix répond désormais compréhensible. Il s'exprime calmement, me suggère de placer l'arc sur le terminal. Je m'exécute et j'entends un murmure, une prière peut-être. L'arc se déploie depuis son centre, libérant l'âme de voyageur qu'il renferme. J'aperçois une étincelle bleue qui flamboie dans les airs devant moi. Elle disparaît au bout d'un instant, et avec elle, le dernier fragment d'Atamis dans ce monde. Voilà, sniff. J'ai des puissons. Désormais intelligible et rassurante, il me dit que tout est fini, Artemis a trouvé la paix. Il me conseille de ne pas m'éterniser ici et ajoute que j'ai pris la bonne décision. Oui, de son, dans tous les cas, il dira, à mon avis, qu'on a... Oui, je pense que dans les deux cas, il te dit que t'as pris la bonne décision. Mais vivre dans une simulation en sachant que t'es mort et que t'as rien d'autre... Sachant que t'es mort et puis... Mais puis, c'est pas ça, il a dit qu'il serait tout seul. Donc, mais c'est ça, non. Je ne sais pas trop quoi choisir car je ne connais pas trop les jeux.
Bah tu regardes, tu cherches, il y a pas de souci, Yoki-sama, t'as le temps hein. De toute façon tu mais je pense prendre Moonlighter. Moi, quand même avoir pris la décision. Pas de souci. Bah écoute, tu m'envoies un message privé avec ton choix sous Discord et après le live, je m'occupe, je vous envoie les clés. Il y a aucun problème. Tu peux demander à Iron Knight, le nombre de clés que tu m'as passé. Voilà, j'ai passé des clés à plein de gens déjà, donc il n'y a pas de souci. Oui, il m'en a passé aussi. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Oh, c'est quoi ce multi-outil tout pourri? Ah ouais, mais celui d'ici est tout pérave. Il est tout pérave, il n'y a pas de souci, gamin. Bon, ben, je pense qu'on a fini les... Ah oui, mais c'est vrai que j'ai des points de... Je peux les dépenser, là. Allons dépenser des moi points. Moi, j'ai pris... Moi, j'ai pris le plan... le plan du truc tout joli. Parce que j'ai combien de points? J'ai 10. Ça, c'est alors, cool. Percé, Exonef. Amélioration d'Exonef. Bon, alors, qu'est-ce que je ne peux pas acheter sur l'Exonef? Ben, tout, puisque j'ai déjà tout. Alors, il faudrait peut-être que je garde. Ce réacteur d'antimatière, c'est 20. Putain, il faut 5 cristals tempête. Yep. Et j'ai trouvé comment on peut les farmer. Mais c'est chiant. Ah bah, j'imagine, ouais. J'imagine. Bah, en fait, il faut aller sur les planètes extrêmes. Oui. Et pendant une tempête extrême. Non, mais ça, je sais, tu peux looter les cristaux tempêtes. Je crois que j'en dois en avoir plus de 1000 dans mon inventaire de cargo, si je me trompe pas de ressources. Les cristaux tempêtes. Dans ton inventaire de cargo? Ouais. Cristaux tempêtes, qu'est-ce que t'as fait? T'as réussi une. J'ai farmé, c'est tout. Non, j'étais sur une planète où il y avait les cristaux justement pendant les tempêtes. J'ai récupéré les cristaux pendant les tempêtes. Ah, ouh, en fait, t'as juste fait la chinoise, quoi. Quand il n'y avait pas la tempête, je récupérais les ressources qu'il me fallait. Et quand il y avait les tempêtes, je récupérais les cristaux. Je vais les garder, mes trucs, j'achèterai plus tard. Lol, on a fini une quête. Cool. Bah, perso, je suis en train de finir d'acheter la totalité des améliorations du multi-outil, ce que je viens d'enfin finir. Oh, moi je ferai plus tard, je regarderai ça. On a encore quand même 3 quêtes principales. À mon avis, pour Artemis, c'est pas fini, non? Le premier voyageur. Alors, je pense que Artemis, c'est fini. Ouais, si, c'est fini, ouais. Alors, le sort d'Artemis est terminé. Étrange dans ce système extérieur aux activités quotidiennes des geeks. Elle émet un signal bizarre. Tiens, on va essayer celle-là. L'anomalie spatiale. Communiquer. Continuer d'enquêter sur vide. Tu as le chemin de l'Atlas, c'est atteindre le trou noir. Dans l'espace, appeler l'anomalie spatiale. Depuis... Ah mais non, mais il faut parler à Nada encore. Faut retourner vers Nada. Demi-tour. Bon Nada alors. Ou alors la quête elle a bugué. Et quand ton esprit a été déconnecté, libéré d'une vie cruelle, tu as bien fait voyageur, ta capitalité est un sacrifice en l'honneur de celui que tu as appelé ami, n'aie pas de regret. Là. Ouais, non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour parler. Que c'est tout ça, on a reçu. Hein? Ah non, je vois un chat, il y a machin qui a reçu ça de Bidule. Ouais, il a reçu des curious bonnes fragments et tout. À mon avis, il faut sortir de l'anomalie et re-rentrer dedans pour activer le truc. C'est la suite de la quête. Mais c'est bizarre parce que j'ai plein de trucs. Ah ouais, c'est ça. Non, anomalie spatiale. Se retourner dans l'espace quand vous êtes prêt à continuer, modifier la mission active. Il faut ressortir en fait. D'accord, on va aller dans l'espace. Ben, merci pour les 600 points au giveaway. Yoki-sama. Et vous avez un truc, mais. Genre là, je regarde la liste et je sais pas encore quoi prendre. Ben, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Quand tu auras décidé, tu m'envoies un petit message. Comme on dit, c'est pas comme si tu étais pressé. Voilà, c'est ça. Il te reste 5 minutes. Je plaisante, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Allez, allons dans l'espace. Bibi Blue, Apollon, appelle Bibi Blue. Je trouve plus mon vaisseau. Où est-ce que je suis garé?
Tu regardes où il y a le... Ah là, ça y est, je tournais passé mon écran. Répondez au communicateur. Est-ce que tu reçois, c'est Apollon là. Lolé Terminus montre, de nouveau disponible, ton signal était. Pensais que tu étais parti. Entendre Apollon à nouveau est un soulagement. J'ai l'impression de ne pas lui avoir parlé depuis très longtemps. Expliquer. J'essaie de raconter ce qui vient de se passer à Apollon du mieux que je peux. Le passage, l'étrange planète, une immense machine, l'orbe pourpre. Alors que je parle, je me rends compte que mes souvenirs sont instables, que je n'arrive pas à me les représenter dans mon esprit. Je ne vois que du rouge, terne et douloureux. Je dis à Apollon que je crois voir l'Atlas lui-même. Oula. Tu l'as vu? Tu as rencontré l'Atlas? Les Geeks, les Corvas, ils le vénèrent comme un dieu. Je ne pensais pas qu'il était réel. Je ne pensais pas. Est-ce que ça va? Je ne peux même pas imaginer ce que tu as vécu. Dire que ce n'était qu'une machine. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je raconte à Apollon sur un dieu, mais bon. Ce que l'Atlas m'a dit de sa façon de parler des voyageurs et des sentinelles, comme s'il s'agissait de protocoles et pas d'êtres vivants. Il y a un cargo qui vient d'arriver. Sa façon de nous voir, de me regarder. On aurait dit que la vie et la mort n'étaient que des rêves fragiles et pas de véritables concepts. Au moins, il ne t'a pas fait de mal. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens de dire. Les Corvas rendent hommage aux Sentinelles justement parce qu'ils pensent qu'elles servent cet Atlas. Nous devrions enquêter davantage. Cette machine nous conduira au nid des Sentinelles. Nous serons riches en un clin d'œil. J'ai un souci avec Twitch. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais Twitch ne marche plus. Si, j'ai le retour. Fais accepter. On fait accepter. Allez, accepter. Allez. Je dis à Apollon que je suis d'accord. Peut-être que les Sentinelles et l'Atlas sont liés. Peut-être que c'est la voie que nous devons suivre. Mais d'autres facteurs entrent en jeu. Je parle à Apollon. Eh ben écoute, merci Shinra pour les 100 bits. Tiens, prends mes boulasses. Je me rencontre avec le mystérieux voyageur. Artemis est mort. Limite, tu devrais faire une alerte avec le shut up and take my money. Je sais que je me moquais de lui, mais c'était facile. Il se sentait concerné. Il croyait que je. Que lui est-il arrivé? Où l'as-tu enterré? Je voudrais lui dire au revoir si je peux. Lui parler de notre choix. On lui parle, on lui dit la vérité. On est honnête, allez, ouais. On va s'en prendre par la tronche. Allez, honnêteté. Pas sûr. Spectrum que Vid m'a donné un moyen de sauver. Vous savez, ça marque Vid, ça marque pas Nada. C'est bizarre. Pourquoi oui, tu dénonces? Non, mais parce que c'est Vid. Vid, c'est l'autre roboto qui nous a filé l'arc d'esprit. Ouais, que je n'ai pas pu le faire. Cette vie n'aurait été qu'une imitation, une existence vide au sein de la simulation. Je me dis de permettre à Artemis de trouver la paix à travers la mort. Demandez si vous avez eu raison. Je pense que tu vas dire, tu as fait le bon choix, tu as essayé. Tu as essayé, quoi que tu ressentes maintenant, sache que tu es un bon ami. Une chose est sûre, je dois passer à travers le portail et te rejoindre. Nous devons juste trouver quels sont les bons glyphes et donc la bonne localisation pour rejoindre ton monde. Trouve un monolithe, cherche des séquences dans les données, ce sont des machines et nous devons juste comprendre leur code. Mettre fin à la communication. Ce petit robot que tu as, il me fait penser à l'IA de Doom. Tout le monde s'en branle dans les trois quarts du temps. lequel de Doom les derniers? Parce que je l'ai pas fait les derniers de Doom. Moi j'ai Twitch à cracher, j'arrive pas à le relancer. Fais un F5? Non mais logiciel fermé, j'essaye de redémarrer, il veut pas. Ah mais moi j'utilise pas le logiciel, moi je suis par navigateur. C'est pour ça. Bah c'est ce que je vais lancer. Ah, frégate à recruter. Ah mais attends, c'est des frégates. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux les recruter. Je peux la recruter pour mon truc. Ah ouais, je veux bien, oui, ouais. Mais par contre, il faut la payer, hein. Ouais, mais je vois. Ça dépend. Alors, même par navigateur, je n'arrive pas à rejoindre Twitch. Alors, je ne sais pas si c'est ma connexion qui est en train de me lâcher ou si c'est. Tu serais pas avec nous si ta connexion. Comment on fait, frégate à recruter? Il faut rentrer dedans. Tu lui parles. Tu t'en rends un prod, tu fais un message qui te déclenche. Il faut se rapprocher. C'est bon. Donc, je bonjour, ami. Vous cherchez de nouveaux vaisseaux, non? Mon vaisseau est un bon choix. Respectez la frégate. Ok, je vais redémarrer le PC. Une décision, mon ami. Ah ouais, non, 2 millions de dommages. Et c'était quoi? Spécialiste des explorations. Ah, ça aurait été bien. Un classe C? Ouais, mais c'est pas grave. Pas grave. Aussi, c'est une simple question. J'ai du mal à trouver autre chose que des classes C. D'accord, c'est comme ça que ça fait. Bah, faudrait que je récupère des thunes. Bon, je me suis dit, je vais prendre la clé de Heart of Iron 4.
Et l'offrir, ah ok, bah, pas de souci. Tu fais après ce que tu veux de ta clé. Ok, bah, après le live, je vous envoie ça vers... je vous envoie ça sur le... sur le Discord. Alors, traçage de vers minuit, hein, vous inquiétez pas, ça sera pas très tard. Non, minuit, l'heure du matin, voire deux. Non, peut-être pas à ce point-là. Alors moi, ça m'envoie vers Audat 33 et D4. Mais non, mais là, je suis en train d'aller chasser un chasseur de primes. 100 000 boules, je vais pas dire non. 100 bits. Pardon. 100 pas. Mais non, j'ai pas dit une ancienne. J'ai dit monolithe. Ça y est, quand il commençait... Quand il était... Voilà. Je m'en vois pas au jeu. Donne-moi tes ressources. Parfait. Ah, nickel. Et deux ors chromatiques. Pas du métal chromatique. Parfait. Localiser une monolithe utilisée. Hop. Ok. Ok, bah moi c'est bon, il me l'a indiqué où il est, ouais, le monolithe. Servez-vous d'un monolithe pour prendre la position. Réception d'un message. Ah, un commerçant qui m'appelle. Examinez le manifeste de cargaison. Reliquie Krogrik. Parce qu'il faut que j'ouvre une autre interface, etc. Oh, mais c'est parti. Merci Shinra pour les 100 bits encore. Te ruine pas et... Non, rien d'intéressant mon gars. Moi j'ai redémarré le PC, Twitch ne veut toujours pas. Hein. Mais c'est pas grave hein, si t'as pas le retour Twitch, hein, c'est pas la mort. Hein. Mais... Je suis à jouer, c'est j'aime pas bien, grave. J'aime bien voir le chat en même temps. Ah et quand il est actif comme ça, ça fait plaisir. Oui, ah oui c'est clair, c'est rare. Ah, surtout, mais... qu'en plus ils doivent en raconter de la merde. Hein. Non. Ils osent pas. Connaissant les oeuvres, ils osent pas. Pour le moment, ils sont en train de se décider. J'en avais 500, je savais pas où les bourrer. Mais écoute, merci. Non, arrête, tu vas dépenser ton RSA. Lol. Planète en décomposition, je crois que c'est ce qu'il me faut pour mes... Pour lancer... De savoir. Allez. Ah si, là, ah, bah il y a les textures qui sont chargées. Oh, il est pas dans son climat natal, donc je peux pas le reproduire. Je sais plus. Il faudrait me sembler que c'était toxique son truc. Là c'est radioactif, hein, Choupette. Hein. Ah pardon. Choupette. Ça change, hein. Alors, sommeil agité de l'Ocedos. Anomalie. J'arrive à voir la pierre du monolithe. Sa surface argentée est terne inerte. Et pourtant, quelque chose s'agite dessous. C'est gris, sans être gris, une aura chromasie qui m'appelle sous la surface. Bah, localiser un portail. Localiser le portail. Allez, c'est là-bas. Ok. Ben c'est bon, on peut y aller. Et je suis pas sur mon vaisseau, hein. Non mais, hein, elle est juste à côté. La carrosserie est presque neuve. Elle a juste essuyé 3 tirs de blaster. Ça, c'est à peu près. 3, peut-être un petit peu plus. Je te rappelle qu'à un moment, j'étais niveau 4 ou 5 de sentinelle dans l'espace. Je peux te dire que ça t'envoie 3 ou 4 vaisseaux en même temps, tu rigoles moins. J'ai jamais eu d'attaque de sentinelle dans l'espace. Quoi. Alors moi, les attaques de sentinelle dans l'espace, j'ai déjà eu 4 fois. Hein. Oui, bah, jamais eu. Bah, ouais, mais si t'en as pas eu sur Terre, tu en as pas dans l'espace. Bah si, sur Terre j'ai déjà eu, mais le plus haut que j'ai eu, c'était niveau 3. En fait, quand ils sont vraiment vénères sur Terre et que tu te barres, ils te pourchassent dans l'espace. Toi, tu t'es arrêté au niveau 1, moi je restais jusqu'au niveau 2 ou 3. Non, 3. 3 quand j'étais sur Terre, voire 4. Donc on commençait à avoir les chiens qui balançaient de laser. Et là, je me bats, et là, dans l'espace, tu te fais pourchasser en fait. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Et après, quand tu pètes les vaisseaux qui sont dans l'espace, tu montes grade 5. Et alors là, par contre, ils y vont par 2, 3, 4. Dans l'espace, 1, t'en as 1. Niveau 2, t'en as 2. Niveau 3, t'en as 3. Niveau 4, t'en as 4. De vaisseaux, etc. Et 5, à mon avis, il aura un croiseur, ça va être. Alors, visite de Yerid. Oula, mon dieu, qu'est-ce que c'est ça?
Attends, moi j'ai un problème, j'arrive pas à localiser. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'endroit où est la suite de la mission? Bah, regarde où on est. La seule alors. Chose. Bah, je vous vois en direction de la base de Renite. Mais Dumbug l'envoie dans une autre planète. Oh oui, c'est ça. What? Il va falloir les énergiser le truc. Charger l'élément catalyseur. Mais what the fuck? Ouais, ça me disait qu'on c'était à 198 kilo-unités de distance. Ok, d'accord, on peut faut recharger les glyphes avec les. Il faut la recharger là, avec les. Non, mais je suis en train d'en faire, j'en ai déjà fait quelques-unes. Ah ouais, d'accord. Activer. Ouf! Du carbone. Cuivre, machin et tout. Non, mais c'est bon, j'en ai déjà fait pas mal là. Pour le moment, j'arrive partir, à tout mettre dedans. J'arrive! Pour le moment, j'ai tout ce qu'il faut. Il a bugué, il m'a envoyé là où il fallait pas. Hop, il me reste plus qu'une. Ah, j'ai pas assez de sodium pour la dernière. Bah, c'est fait. C'est fait. Bah voilà. Ah, il manque là-haut. Ah non, attends. Oui, non, là, c'est il manque. Il manque un truc de cuivre. C'est fait. Oula. Attention, c'est parti. Capture de voyageurs. Je m'approche du portail qui semble me supplier, réclamant mon attention. Il me demande de l'activer. Je me demande de continuer mon voyage. Je ne sais pas si je dois l'écouter. On s'en fout, on y va. Emplacement. Demandez l'emplacement de cette planète. Oh. Oh, c'est une suite de glyphes. Ouais. Ah ben, en fait, c'est réellement une Stargate. Ouais, alors j'ai fait Alt imprime écran. Je vais ouvrir un logiciel pour sauvegarder l'image. Mais moi je sors le téléphone et je vais prendre une photo de mon écran. Attendez, je vous photofiltre. Allez, coller en tant qu'image. Non, je l'ai pas. Lol, il m'a pris une autre image. Quoi, qu'est-ce qu'il me fait là? Alt, imprime l'écran. Pourquoi il me met pas la bonne image, cet enfoiré? Ah, c'est bon, je l'ai. Parfait. Ok. Donc partir. Et la porte, elle nous fait comme la dernière fois. Donc c'est quoi? C'est Alt imprime écran, tu dis? Oui, quand tu appuies sur Alt imprime écran, ça t'imprime que l'écran actif. Que l'écran où tu es, en fait. D'accord. Tape un truc au pif et go visiter. Transmettez des glyphes de portail à Apollon. Ah, ben après vous faites. Holo terminus détecté. Okay. Ah, d'accord, ok. Il est loin, l'holo terminus. Il est là-bas. Damien, on dit mets des glyphes au pif. Attends, juste pour rigoler. Non, non. Est-ce qu'on peut... non, ça marche pas. Ça fait rien. Il faut que tu connaisses des glyphes pour pouvoir activer, j'ai déjà le tour. Non, on peut pas, ouais. Donc, l'effet Stargate est fun, ouais. Mes tests, ouvre un portail en saisissant des glyphes. Je peux pas. Non, on peut pas saisir de glyphes. On peut pas. Il faut connaître les glyphes pour pouvoir les utiliser. Moi j'en connais qu'un. Donc je peux en utiliser qu'un. Oh. Comment ça se fait que tu connais déjà des glyphes? Parce que j'ai déjà trouvé un portail. Et j'ai eu, là, il m'a appris un glyphe. Un truc comme ça, enfin. Oulala, une tempête là. Pas cool. Quand j'utilise un parchemin, en fait, je me balade et je regarde à chaque fois dès que je trouve un bâtiment que je connais pas, un truc comme ça, je vais voir ce que c'est. Allez, et j'ai trouvé comme ça. Mais non, j'ai pas trouvé de glyphe, bah oui. C'est quoi la tempête que je me prends? On vient de démarrer, oui, parce qu'il connaît. C'est pour ça, on connaît pas encore. On vient juste d'y arriver. Alors, rendez-vous à l'Holo Terminus. Il me fait traverser la tour, c'est pas mal ça. Alors moi je vais attendre la fin de la tempête. Bah, tu peux attendre longtemps. Lol. Quoi? Attention, moi j'arrive. J'ai mon PC qui ne marche plus, d'accord? Il a plus internet.
atterrir dans la tempête, vas-y. T'as laissé à se louper. Non, j'y arrive pas. Faut pas que j'atterrisse nulle part. Si, fait... Oh, je suis sous le décor. Ah. Ça m'est jamais arrivé encore. Là, mais il a fait quoi, là? Il m'a fait atterrir, mais alors à 15 bornes. Je dois être à 15 bornes de vous. Je vais redécoller, ça. Non, mais... Il m'a fait quoi, là? T'as vu ça? Pourquoi t'as sauté? Il m'a éjecté. Je me suis fait éjecter. Je t'ai vu jumper en dehors de la plateforme. Ah non, mais il est sorti de l'échelle, il a sauté. Mais tu fais quoi, là? Ah, yes. Bonne nuit, Plug Play. Demain, tu te lèves tôt. Puis, ben... Bonne nuit, tes plugs. Bah, écoute, t'inquiète bonne pas, nuit. T'auras ta clé hein, tout à l'heure. Je te l'enverrai, il n'y aura pas de soucis. Comme t'auras 5 minutes pour la mettre, pour qu'elle soit active. Comme qui dirait tout de suite. Non, il n'y a pas 5 minutes. La clé, il a autant de temps qu'il veut. tu me l'envoies tout de suite, le message privé, avec le nom du jeu, parce que je vais sûrement oublier, et puis je te répondrai directement. Et pareil pour OK sa main. Il n'y aura pas de problème. On tempête s'est arrêté, c'est cool. Cacahuète. Cacahuète. As-tu trouvé les limites de ton monde? Non. Ah, c'est bon, je l'ai fou. Voilà. Ah putain, il a pris l'escalier. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? En de terminus activé, plusieurs sources de signal disponibles. La tour abrite un puissant émetteur conçu pour faciliter les communications holographiques sur de grandes distances. Se connecter à Apollon. Bah écoute, pas de soucis, bah demain on est en live aussi, je serai en live aussi avec normalement Eremite. On continue Désolate. Vous allez entendre Eremite crier comme une petite pucelle. Pardon. Oh, de suite. Attends, demain c'est pas le live JDR? Non, le live JDR c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours, d'accord. Ouais, donc non, parce qu'on a fait tabletop la semaine dernière, donc c'est une semaine sur deux. Donc as-tu trouvé les glyphes de ton monde? Je suis presque prêt. Ma combinaison est à jour, mon estomac rempli et j'ai embauché un geek pour s'occuper de la ferme pendant ma absence. Dis que vous les avez trouvés, on s'en fout de la ferme, on en a déjà une. En regardant un peu long, je repense, parce qu'à mon avis, il doit te lancer, là, si tu avais fait lui, il doit te lancer sur la création de base, etc., je pense. Donc en regardant un peu long, je repense à tout ce que j'ai vu dans le portail, à ce qui est arrivé à Artemis quand il a emprunté la même voie. Je pense au visage de l'Atlas, à la façon dont Nada m'a averti de ne pas retourner dans ses tunnels. Je ne sais pas si les portails sont sans danger. Remettre les glyphes à Apollon, pas les griffes, n'importe quoi. Je oui, remets on va les lui remettre, glyphes à Apollon et elle lui dit de faire attention et de se rappeler de ce qui est arrivé à Artemis. Il me promet d'être prudent et que nous reverrons bientôt. Avant de partir, il me conseille de trouver des informations sur ce soi-disant vide. Il me dit de faire attention, moi aussi. Ok. Et justement, vide pop. Parlez à vide. Il me ressemble. Deux âmes perdues. L'une s'inquiétait trop, l'autre pas assez. Leur vie n'est pas devenue ce qui fut promis, n'est-ce pas? Tout être sensible, ayant déjà vécu, c'est un jour senti ainsi. C'était le cas pour moi autrefois. J'étais en colère, troublé par ma propre solitude. Imagine ma surprise quand tu m'as réveillé. Oh, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Je sais que tu t'amusais juste avec les portails. Mais quoi que tu aies fait, je suis là maintenant et j'ai besoin de ton aide. L'Atlas. Ce n'est pas ce que tu crois. Quelque chose arrive à l'univers et j'ai besoin de ton aide pour comprendre quoi. De quoi? Ben, on va faire... accepter tout de suite, comme ça... Fait accepter. Bon. Allez, go. Moi j'ai fait. Un observatoire se trouve à proximité. Il t'indiquera la position d'un cargo écrasé d'un grand intérêt pour notre enquête. Là-bas, nous trouverons le premier secret, j'en suis sûr. Sache que l'Atlas n'est pas plus notre ennemi ou notre ami que l'air ou le vent. Mais il a peur, il souffre, et nous devons l'aider, quoi qu'il en coûte. Ok. Sympa ces petites histoires un petit peu là. Plutôt cool.
Trouver mon vaisseau. Ah, je tombe. Believe I can fly. Et là, Erin, comme dans Minecraft. Non, j'ai activé juste la seconde avant de m'écraser. Alors moi, je décolle, j'avance, je me prends Lolo Terminus. Non, non. C'est moi qui me décolle au-dessus, c'est bon. Donner de nouvelles d'Apollon à Nada. Donner de nouvelles d'Apollon à Nada dans l'espace, appelé l'anomalie depuis AB. Parti. Non, 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 ça a changé de quête. Ah bon? Oui. Module de lance-foudre S. Attends. Je suis parti un peu loin. Ça a changé la quête, c'est visiter l'observatoire choisi par ouais, vide. Ouais, c'est visiter l'observatoire choisi par vide. C'est moi aussi, ça m'a changé ma quête. Je l'ai pas. Parce que t'as enquête de réponse. Le premier voyageur. Le chemin. Ouais, c'est ça, c'est le premier voyageur. Vide les tranchées. Ah, ça y est. Ah oui, ça m'a changé, ça m'a mis sur l'anomalie spatiale. Localiser l'observatoire indiqué par vide. Ouais, ça m'a changé de quête. Attends, mais pourquoi il m'a ramené au point de départ, lui? Eh, hey, pourquoi il m'a remis l'anomalie? Pourquoi il y a un marqueur personnalisé, là? Faut l'enlever. Faut aller à l'observatoire. Ah non, mais c'est bizarre, ça change de quête de temps en temps. C'est un peu compliqué, moi, j'ai déjà dépensé pas mal. Bah, je suis arrivé s'il veut bien me laisser poser. Je sais pas où il m'amène, mais il m'amène, hein. Attends, c'est moi ou il y a deux observatoires l'un côté de l'autre? Je sais pas, moi il m'a amené un là. Hop là. Non, Pose-toi, saloperie de vaisseau. Allez, je rends malade tout le monde. Je voudrais me poser. Pourquoi je ne peux pas? Que c'est buggy. Bah, il faut ouvrir les portes avec un pass Atlas V2, c'est bon, je peux aller. Oui, il y a deux structures, une à côté de l'autre. Mange. Ouais, et les deux se s'ouvrent avec un pass Atlas V2. Sérieux? Ouais, je peux aller les fouiller. C'est... J'en ai déjà fouillé un comme ça, ça donne des ressources. Ouais, je peux pas atterrir. Bah moi j'avoue, vous m'avez piqué toutes mes même... places d'atterrissage. Moi je suis pas sur une place d'atterrissage, mais... Si, toi tu es sur une place d'atterrissage. Toi tu es sur une place d'atterrissage. Moi j'ai galéré pour trouver un coin où il acceptait de se poser. Est-ce que tu veux qu'on essaye de passer en même temps pour voir si j'arrive à te faire rentrer quand moi j'ouvre le pass V2? Allez, vas-y. Vas-y, ça s'ouvre, vas-y. Ouais, je suis passé. Je peux vous faire rentrer. Oui, mais de toute façon, t'as déverrouillé. Ça déverrouille. Non. En fait, ça le déverrouille pas, ça l'ouvre. Ça ouvre la porte et pendant ce temps-là, tu peux passer. Bon, c'est du carbone dans les plantes. Contre, c'est ça, c'est... En fait, c'est une serre qu'il y a dans celle-là. Regarde, j'ai pas eu besoin du pass et je suis rentré. Ouais. Ça déverrouille la porte, c'est tout. Ça déverrouille complètement. Alors, moi, ça ne me l'avait pas déverrouillé. Moi, je ne pouvais pas. Là, je viens de rentrer. Ah, bah là, c'est la porte. Allez, observateur Geek. Prédiction de vide était correcte. Le terminal est étrangement ouvert et les journaux n'attendent que d'être lus. Cet avatar semble avoir servi de station de sauvetage tenue par un spécialiste Geek. Ces derniers traducteurs ont été accusés de poser des questions qu'ils n'auraient pas dû poser et de semer des graines de la discorde. Cette affectation était censée être une punition. Il semblerait toutefois qu'il ait choisi ce poste. Il a trouvé des choses étranges dans les épaves. Des aberrations, des données qui parlaient de mondes qui n'existaient pas et d'événements qui n'avaient pas eu lieu. Ce Geek est sorti pour examiner un des vaisseaux car il avait détecté des signes de vie Corvax à bord. Il n'est jamais revenu. Est-ce ainsi que Nada et Polo se sont rencontrés?
Est-ce ainsi que mes amis se sont trouvés? Il y a un signal sur la console, un avertissement. 16 petites rafales de données en boucle. On extrait les coordonnées. J'ai extrait les coordonnées du signal de détresse. Un vaisseau écrasé m'attend. Oh ouais! Pardon. Retournez à votre base. Pourquoi il me dit ça, moi? Site du crash du cargo localisé. Ah zut, c'est un cargo. Mince. Oui, non, mais c'est forcément un cargo. Mais je sais, je sais. Ah là, j'ai pas ouvert la porte là. Tac, tac, hop. Ah bah, c'est encore une serre. Mais c'est bizarre, une serre. Ah là, je peux utiliser un spécimen. Je peux chercher. Ah oui, d'accord, si tu récupères du carbone. Tu récupères du carbone dans la serre. Moi, là, moi j'avais eu, c'était un entrepôt de stockage, donc tu vidais les caisses. Oh, mais attends, ça c'est intéressant ici. Pourquoi? Attends, et qu'est-ce qu'il fout là, ce geek? Responsable de... Je ne sais pas. Visiter. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là? Le mine me regarde avec de méfiance, n'ayant pas oublié de ma dernière interaction, il n'a rien de plus à me dire. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais de toute façon, tous les geeks de mon système, ils m'aiment pas, je sais pas pourquoi. Non, celui-là, je pouvais pas lui parler. C'est une... C'est mon... merde ou c'est le vôtre? Attends. De quoi ton, ah. Tu veux le bâtiment, le bâtiment à côté, c'est des ruines. Attention, donc, à ne pas être on serré peut apprendre, on peut apprendre des mots. Alors serré, c'est avec un S, Kimra. Où ça, on peut apprendre des mots? Ah, tu veux dire le... Juste en dessous, c'est des ruines. Oui. Et puis il y a une balise là, juste à côté. Moi, j'ai trouvé un bâtiment là. Oui, mais il y avait un bâtiment à côté en fait. Un campement. Là, il y a une petite ruine. Aïe. Atterrissage un peu forcé. Y'a que ça Je pensais qu'il y avait mieux que ça. Je me suis embêté pour rien. Ah non, là-bas. Ça, je recharge. Mais t'arrêtes de mordre la plante là? Tu me gonfles? La plante. Des fois, il y avait des petites bulles comme ça aussi. Tu pouvais appuyer dessus. Ah ah! Données historiques révélées. Ah, faut aller en face. Ah, mais c'est qu'il y en avait deux. Ah, mais j'arrête pas de faire les mauvais choix quand je parle au PNJ. C'est chiant ça. Ah non, mais je peux pas parler au truc en fait. Comme tu as parlé, je peux plus. D'accord. Montons à bord du Zwifi. Du Zwifi. Montons vaisseau. Oui. Ouais, je l'ai renommé parce que. Zwifi. Parce que le père de la liberté, ça m'énervait. Bah, c'est le nom du mien. Voleur de nom. En plus, tu violes mon skin. Sérieux? Non, c'est toi qui l'as transféré sur le mien. Non, non, c'est toi qui as bugué. Ah. Un scan hostile. Oups. Va voir ailleurs si j'y suis, tu t'obstines? Oui, je m'obstine. Hey. Oh. Bah c'est pas grave. Il est baston. Il est où, il est où? J'arrive. Ah mais vous êtes loin. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On pense que je suis qu'un marchand?
Tiens, bouffe. Ah oui, t'as skin un vaisseau de marchand. À la base, je suis un vaisseau de guerre. Mais le skin de celui que j'ai récupéré là aujourd'hui est pas mal. Il est plutôt joli. Allez, second, troisième. T'es où? Allez, je viens de trouver un vaisseau. Putain, mais ils l'ont mis, okay, mais n'importe où le ici. Cargo. Oh, c'est un classe. C'est un 25 cases classe C. Vous allez rigoler pour vous atterrir près du cargo. Ah, mais pourquoi c'est un classe C, bordel? Bon, c'est un 25 cases, j'en ai un 28, mais bon. Bon, allez, je réclame le vaisseau. Wouhou, un vaisseau de plus. T'as vu, hein? Moi, j'ai rien fait, je trouve un vaisseau. Je m'en fous, j'ai le mien. Moi, je m'en fous, j'ai le mien. Allez. Manifeste de l'équipage manquant, données limitées disponibles. Ah, lire. Il faut une clé d'encryptage du journal. Oh, j'ai trouvé un module de rayon phasique.